Et salut les amis, bon ben on va aller rejoindre les copains, le départ il est pas loin de la maison donc on peut y aller en vélo. Bon, très dur le matin en ce moment de se lever pour aller au vélo parce que comme j'ai du mal à faire du VTT, que je souffre à chaque sortie, ben, forcément c'est compliqué, j'ai plus envie de tout arrêter que de continuer, mais bon, on verra bien ça au fil du temps. Allez, en tout cas, trois coups de pédale, on les rejoint et puis on va essayer d'aller un petit peu s'amuser. Allez, ça part de là. Allez, on les a retrouvés, mais il n'y a plus qu'à. Ils sont là. Allez, après une grande montée, on se retrouve enfin sur les petites pistes. Là, ça va être sympa là, de ce côté. Et tranquille. Oh. Une petite montée technique. J'aime bien ce genre de montée. Même si j'ai pas la physique, je trouve que tu te rates, voilà, quand t'as pas le physique, on va pas en train de parler. Allez, ben c'est reparti du coup. Voilà. Clairement le physique, ben, t'as besoin de taper une relance. Boum, pour passer la petite marche, mais ben, j'ai pas. Ça casse les bonbons. Là j'ai. Ça va. Allez. Ça monte toujours sur le vélo. Pour vous prouver que je fais un peu des choses quand même. Allez, ça descend d'où vient un peu. Ouh. Ah non, même pas. Ah, vraiment un petit peu. Si, ça descend. Ah, ça fait du bien. Il y en a marre de monter. Même pas déverrouiller la moto. Tant pis. Inch'Allah. Ah, c'est bon ça. C'est ludique. Oh, ça c'est le genre de descente que j'adore. Allez, c'est fini. On va repédaler un peu maintenant. Pas le choix. Ça remonte. Ça descend encore. Oh, c'est bon ce genre de descente, c'est bon, c'est bon. Là je me régale. Arrive à te faire plaisir. C'est pas super technique. On vient à la vitesse. Oh, elle était bien ça. Elle était vraiment vraiment bien. Bon ben après une petite erreur avec partir à droite, on est parti à gauche, ben, on est pratiquement revenu au point de départ. Donc du coup on va repasser par la Castille maintenant. Et puis on va aller récupérer ce qu'on devait récupérer sur le chemin normal quoi. Allez, toujours dans les petits singles. On n'a pas attaqué encore de grosses montées majeures. Mais je suis déjà fracassé. Là depuis la maison j'ai fait quoi, 12 km, 131 mètres de dénivelé, c'est-à-dire pas grand chose quoi. Et je suis mort de chez moi. Je sais même pas comment je vais continuer cette saute. Il y a de la chance déjà. C'est sympa. C'est amusant. C'est joli. Ah, bouchon. Bon ben, j'ai parlé trop vite. Hein. J'aurais mieux fait de me taire. On y est. Comme tu peux le voir, les. Ils partent à 2000, hein, moi je suis pas. Voilà, ben, c'est parti pour la grande montée, et puis après les autres qui vont suivre.
Bon bah après le départ cool hein, bah, ça fait que monter maintenant. J'ai le dos encore, ça y est. Trop mal. Bon c'est comme ça, c'est la vie. Et le mental aussi il prend. Il prend cher le mental. Allez, à ce qu'il paraît, ça descend. Je connais pas celle-là. Eh ben on va faire connaissance. Ça passe. Allez. Allez, c'est une patoche. Quoi? Oh, quelle est bien ça là. Des jumps là. Alors c'est là que je ne sais pas si c'est à gauche. C'est clair. Alors à ce qu'il paraît là ça descend short. Je préférais avant. On s'amuse plus. Enfin, du moins moi. Allez, c'est fait. Ah, super. Oh, mais je préférais la première partie, moi, quand même. C'était plus fluide, plus flow. Allez. Encore en train de souffrir. Mais bon, après une belle descente comme ça, ça fait du bien. Jean-Louis qui vient m'enquiquiner. C'est déjà pas assez dur. Aïe aïe aïe. Allez. On a droit au coup de cul sur coup de cul ici. Quand tu t'en remets à l'un, mais bim, t'as la deuxième sanction derrière. Allez voilà, ma déchéance. J'ai lâché. Et encore bien déçu. Ah, petite descente, et je suis rincé là, je sais même plus où je suis. Enfin, ça descend ou ça descend pas? Non, je sais pas, ça monte. Ça descend même. Ah putain, j'ai loupé. Ouais, je vais essayer de vous filmer cette petite partie. Toute la descente, je l'ai fait à pied. Pas parce que c'est dur, parce que je suis cuit, j'arrive plus, donc je suis pas lucide. Donc les petites marches, les petits machins comme ça, je me tanque dedans comme un blaireau. Voilà. Quand t'es cuit, t'es cuit. Et on a rien fait, on a même pas fini cette borne. Putain, là, ça. Je me dégoûte moi-même.
tout droit. Une super belle descente et j'arrive même pas à y prendre du plaisir là. Moralement, j'ai décroché. Là, je me vois déjà à la maison. Génial. Et ben maintenant, il va falloir tout remonter. Ah, sur cette sortie, il n'y a pas de plat. Il n'y a pas de plat. On est encore parti dans un truc. Oh, de folie. Je suis cuit. Je redoute là les 3 jours de l'ascension. J'arrive à me louer un VAE parce que sinon ça va pas le faire. Et encore si c'est dans mes tarifs quoi. Sinon ça va être compliqué. Petit single bien sympa. Ça monte un peu moins. Super joli en plus. On n'est jamais venu par là. On n'est jamais venu. Super beau. Faut vraiment que j'arrive à récupérer un peu de la forme. Putain, ça fait chier. Je sais pas quoi faire comme régime. Comme truc à côté du sport, j'arrive pas à en faire. Je suis trop fatigué. Mais peut-être qu'en alimentation, il y a quelque chose à faire, mais je sais pas quoi. Rassurez-moi, franchement, il n'y a que moi qui galère comme ça ou... Oh putain, il y en a qui galèrent aussi le week-end. C'est une séance de torture. Malgré qu'on s'amuse quand même, mais ça tourne plus à la séance de torture. Allez, rando marche attitude. C'est parti. Je vais passer plus de temps à côté du vélo que sur le vélo. Donc, on en revient au bon moyen ressenti. Peut-être que c'est plus la peine de s'emmerder à le prendre. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, ce qui paraît, ça descend. J'ai même plus envie de descendre. Alors, je suis désolé, je partage ma mauvaise humeur. Là, mais ça y est, je suis... J'ai mal au dos, ça me tire. J'ai la sciatique en permanence. Là. Je suis fatigué. Ah, aïe, aïe, aïe. Et ouais, et après là normalement je m'étais inscrit aux 3 jours de l'ascension comme on fait chaque année. On va au camping vers Loup Marin. D'ailleurs, s'il y a certains d'entre vous qui ont des traces
des parcours sympas par là-bas, ben, on est preneur. Puis moi je crois que je vais faire des parcours plus soft. Par, de toute façon, pour être lucide, le niveau, il y a trop d'écart entre eux et moi. Donc faire des sorties de 50 bornes alors que j'ai du mal à boucler 20 bornes de 400 mètres de dénivelé, c'est pas possible. C'est pas en 4 sorties que je vais me refaire. Donc je sais pas encore. Comme j'ai dit, j'aimerais bien arriver à trouver une location, peut-être VTT électrique, mais bon, pareil, niveau de budget, ça va être compliqué. Mais le mariage, il y a un peu tout là. Mais voilà. Je gagne pas des milliers des cents. Regarde la vitesse. Et à la limite, si j'arrivais à trouver une location, on va y avoir correct, mais là ça pourrait relancer le game. À voir. Là, tu vois, je suis tellement fatigué que j'ai du mal à avoir la bonne lecture du terrain et à garder de la vitesse. Je suis ce qu'on appelle plus lucide. Ça passe par où là? Ah, j'arrive plus. Ouais, c'était par là. Ouais, ça passait la merde. Voilà. Là, ça passait, mais bon, quand t'es plus lucide, ben, faut pas hésiter à mettre pied à terre parce que c'est là que tu peux te faire mal. Et j'ai pas honte de le faire. Voilà. De toute façon, t'as pas de honte à avoir, t'as rien à prouver. On sort pour s'amuser. Celle-là, on l'a déjà faite en plus. J'arrive même plus à me tenir droit sur les jambes. J'ai les crampes et tout. Oh, ah, je m'assois. Je peux te faire debout. Alors assis en descente, c'est vraiment pas la bonne position. Pour vous dire, j'arrive même pas à rattraper Jean-Louis qui est devant. Ah, faut sortir les doigts du cul, je crois. On peut pas laisser Jean-Louis devant. Allez, c'est Kenzo. Ça monte encore. Et en plus, ça monte que par des petits singles. Du coup, ça fatigue encore plus quand t'es fatigué. Mais c'est plus ludique, c'est plus joli. On s'accroche, hein, même si on râle. Et ça monte là, ce qui paraît. Bon, bah, on a fini le petit coup de cul à pied. Je change pas une équipe qui gagne. Et ça continue à monter. J'ai l'impression que je fais du surplace. Ouais, presque au bout apparemment. C'est pas gagné. Heureusement que j'ai une bonne équipe quand même. Qui me motive. Et qui m'oblige. Mais heureusement qu'ils sont là. Franchement, sinon, honnêtement, pour être honnête, ça fait un bail que j'aurais tout arrêté. C'est le plaisir de rouler avec eux, de faire du sport aussi en même temps parce qu'il faut que j'en fasse. Mais c'est en grande partie grâce à eux et à vous aussi qui me suivez. Donc je me sens une obligation de vous faire suivre l'évolution. Et ça aussi, des fois, je me dis, putain, j'ai pas envie, ouais, mais si j'y vais pas, je vais pas leur faire de vidéo pour les quelques qui regardent, ça me fait chier. Je vous dois bien ça, après toutes ces années, même si c'est moins assidu en ce moment, je vous le dois. Voilà.
pour vous remercier de tous vos messages gentils et tout, toute cette aventure. Voilà, là on est depuis l'année dernière dans le dur, malheureusement, j'arrive pas à récupérer, mais qui sait, ça reviendra peut-être, ou pas, on verra, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Eh ben ça me rassure pas du tout, encore à pied, putain, c'est pire que la semaine dernière, carnage. Ça va aller. Putain, je me suis fait peur moi. Quand je connais pas, c'est pas trop. Joli. Putain, j'ai pas de vitesse, ça fait chier. Je suis nul. J'y arrive plus. Allez, c'est bon. Allez au parc. J'y arrive pas! Allez, là c'est plat, j'y arrive. Putain, je suis dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Ça va, Seb? Non, pas du tout. J'ai tout fait à pied. J'ai tout fait à pied, j'y arrive plus. Allez, on essaie de récupérer un peu de vitesse. Pourquoi il me manque des watts? Pourquoi je suis tant fatigué? Putain, ça là, les pépites aussi, putain, si t'es bien. Oh putain, j'arrive même pas. Putain, je suis coincé. Non, c'est moi. Bon, ben, je crois qu'on a trouvé là. Le titre de la sortie, sortie des bois. Voilà. J'en ai plus réussi à côté du vélo que sur le vélo. Après, ça reste quand même beau. Ouais. Mais j'apprécie plus trop là. J'apprécie plus trop. Ouais, je crois que c'est. Faut pas être loin d'être fini celle-là. Je sais pas, là en tout cas en pédale. Bon allez, on est sur les. On a récupéré la route là. Après il y a les vignes. Il nous reste quoi 2-3 km pour arriver au point de rendez-vous et autant pour que je rentre à la maison. Mais... compliqué, hein, je vais me plaindre une dernière fois. J'arrive même plus à appuyer sur les pédales. Quand j'appuie sur les pédales, j'ai la putain de sciatique dans le dos, la boule dans le dos. Là, en plus de la fatigue et tout, là c'est. Là j'accuse le coup, même le fait d'être assis ça me va être compliqué pour les 3 jours d'ascension là, je redoute. Enfin bon, on l'a fait ce sentier. On va se rentrer tranquillou à la maison. Et puis on va serrer les dents et on va essayer de continuer tous les week-ends. Et puis voilà, ouais, tranquillement. Hein. Mais c'est de la souffrance, beaucoup de souffrance pour le plaisir, le peu de plaisir que ça apporte pour le moment. Allez, je vous dis un bon week-end à tous et puis espérons au week-end prochain. Allez, ciao les amis.